Aujourd'hui, dans notre journal des associations, je vous propose d'accueillir un artiste, Raphaël Pierre, violoniste. Il fait partie de plusieurs groupes, Raphaël Pierre. Il est au Conservatoire de Bastia. Raphaël, vous êtes aussi l'un des membres de l'association L'Archetti Bastiacci. On présente l'association, on dit aussi ce qui va se passer. Alors, l'association L'Archetti Bastiacci a été créée très récemment, alors que le groupe L'Archetti Bastiacci existe déjà depuis 5 ou 6 ans, si ce n'est pas plus. En tout cas, il a pris son nom il y a 5 ou 6 ans. Et nous sommes structurés en association afin d'organiser plus sereinement et plus administrativement, de façon correcte, les choses pour les assurances et compagnie. Donc, nous avons créé cette association avec des parents d'enfants, des parents d'élèves de violonistes, pour structurer la chose et pour organiser un sacré voyage. C'est bien. Le voyage à Paris. Voilà. Comment vous allez financer, justement? Il y a des choses prévues? Alors, oui, tout à fait. On a financé ça, mais d'abord, pas par des fonds propres, c'est-à-dire qu'on a fait des concerts, on a fait des animations à Noël, des parents qui ont fait des quêtes, on a récolté un petit peu d'argent, et puis après, nous avons déposé des dossiers de subvention. Ce qu'on a prévu là-bas, des choses formidables. On va en effet jouer sur le salon, sur le stand de la Corse, le lundi 27, mardi 28 et mercredi 1er mars. À Paris? Alors, oui, au salon de l'agriculture. Voilà. Super. Sur le stand de la Corse. Et puis en parallèle, on va aller faire des visites culturelles, à savoir, on va aller visiter l'Opéra Garnier, ainsi que le musée de la Philharmonie à la Villette. Voilà. On va faire en plus deux soirées corse à l'espace Cernéa, à l'Amicale des Corses, et puis chez notre ami Olivier Andréani au COSI, le lundi soir. Lundi soir. Savez tout, Valérie. Toujours, le d'accord. Le COSI de Paris. Ouais. Raphaël Pierre, en Corse, vous avez prévu quelque chose ou pas avec l'association? Tout à fait, nous allons continuer nos manifestations et nous prévoyons le spectacle Eri Odie Douman qui va arriver le 20 mars. Et nous sommes invités à Sartène en résidence à Sartène, résidence d'artiste, oui. De création. Voilà, on va pouvoir travailler et peaufiner nos morceaux pour les présenter de la meilleure des façons à Paris. La résidence à Sartène, ça sera le premier week-end de février. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Je pense que nous irons animer le marché s'il a lieu l'hiver. Voilà. Merci en tout cas à vous, Raphaël Pierre. Vous êtes violoniste, virtuose même, on peut dire. Et vous êtes dans l'Archetti Bastiacci. À bientôt sur RCFM. Merci, au revoir. Bonne journée. Un cowboy.